C'est pas seulement pour le plaisir des yeux et pour émerveiller le public qu'on travaille de cette manière-là, c'est aussi parce que c'est la seule façon, en taillant la pierre, je dirais de manière artisanale, qu'on parvient à obtenir les meilleurs résultats, les résultats les plus convaincants en termes de restauration. Le chantier sera aussi un chantier d'insertion, c'est un chantier école. L'enjeu est de former de nouveaux tailleurs de pierre, de former dans d'autres métiers qui seront liés au remontage de la flèche. Et donc c'est aussi l'occasion de susciter des vocations pour les jeunes habitants de Saint-Denis. Les enjeux de développement local qui sont attendus autour de ce projet justifie la restitution d'une partie si importante et si symbolique de la basilique. On serait dans un projet sur une église perdue dans la campagne, la question ne se poserait pas. On le fait à Saint-Denis parce que les habitants de Saint-Denis attendent qu'elle retrouve sa flèche depuis des années. Et cette attente sociale est un élément déterminant dans les décisions qui ont été prises au niveau du ministère de la Culture pour autoriser la réalisation du projet.